C'est presque le local de l'étape, Mathis Boiramé au rendez-vous. Tu m'avais prévenu il y a un mois, tu m'as dit de toute façon je serai là, Ernest, je serai revenu de blessure. Tu l'as été, tu as été au rendez-vous. Un week-end top. Oui, un bon week-end. C'est vrai que voilà, je suis revenu aujourd'hui à Ernest. Ouais, je me suis préparé, ça fait que à peu près 15 jours que j'ai refait la moto. Et le sport, ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai repris et je voulais être à Ernest. Parce que c'est un grand prix que je tiens à cœur et que surtout je voulais être présent et pour les fans et tout. Donc voilà, j'ai été là et j'ai été présent. Je suis monté sur le podium et c'était vraiment mon objectif. Voilà, j'ai fait. Voilà, j'étais pas à 100%, mais voilà, maintenant je préparerai les courses, les prochaines courses pour être au meilleur de ma forme et je vais travailler de l'avant et vraiment bosser encore plus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour pouvoir arriver à un meilleur niveau et j'en suis conscient. Deux gros départs, deux belles manches. Oui, deux bons départs. C'est vrai que le premier départ, je dois partir 3 ou 4 et après je suis passé vite second. Après j'étais juste derrière Pierre et je l'ai passé direct. Donc du coup vraiment content. La manche, j'ai su gérer vraiment correctement. Donc content, après la seconde manche, je suis parti second derrière Jaco Gertz et du coup je l'ai passé et voilà, après la manche je l'ai faite correctement, j'avais un bon rythme, je suis vraiment content mais voilà, mon coéquipier me passe dans la dernière montée, donc je m'y attendais vraiment pas qu'il me double comme ça et voilà, c'est le sport. Maintenant aujourd'hui je suis monté sur la première marche du podium, j'ai fait bondir la Marseillaise donc je suis vraiment content de revenir aujourd'hui sur le podium européen. Prochaine étape, l'élite à Perne, et puis après la Russie, si comme moi, tu as un visa. Oui, voilà. Oui, c'est vrai, l'élite à Perne. Donc voilà, ça va être encore une course de préparation, surtout que j'ai plus rien à jouer à l'élite. C'est pour trouver du rythme, du physique et faire des manches. Et en Russie, normalement, si j'ai mon visa aussi. Merci Mathis, et bien à la semaine prochaine. Merci à vous, merci à mon team, merci à tout le monde.